Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un haul printemps. Donc je suis allée chez Zara et chez Primark. Nous, il n'y a pas de Primark sur Amiens malheureusement. Du coup je suis allée à celui du Havre. Pour celles qui connaissent, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Habituellement je vais ou à Lille ou du côté de Paris, pas loin de chez mes parents, il y en a un. Donc voilà, là j'ai testé du coup celui du Havre puisque nous sommes partis en week-end sur Fécamp, donc j'en ai profité pour passer par Primark. Et comme il est ouvert le dimanche, c'était parfait. Donc je vais commencer tout de suite avec le vêtement, puisqu'il n'y en a qu'un qui vient de chez Zara. J'essaierai de vous mettre les vêtements portés entre là sur le côté ou... Oui, je pense que je vous les mettrai là si j'ai le temps de faire les montages, puisque comme vous avez pu le voir sur ma chaîne en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos. Donc voilà, je suis en période d'examen et j'avais pris de l'avance sur les vidéos, mais pas suffisamment. Donc voilà. Alors, premièrement, j'ai acheté donc chez Zara cette magnifique robe rouge. Donc elle se présente comme ceci. Alors là, ça fait vraiment la jupe. C'est une jupe assez moulante. Là, vous avez une ouverture. Voilà. Et après, vous avez un petit nœud, comme si ça faisait une jupe et un crop top à part en fait, mais sauf que tout est attaché ensemble. Et en haut, ça fait un style t-shirt. Donc, elle est très rouge vif. Donc, je l'ai eu. C'est donc Zara Trafaluk. Et je l'ai pris en taille M. Et elle m'a coûté 15,95€. Donc, voilà. Et derrière, elle est toute simple. Hop. Toute basique. Mais elle est super jolie. Elle est bien finie, je trouve. Donc voilà. J'essaierai, comme je vous ai dit, de mettre les... de vous mettre les vêtements portés. Ensuite, chez Primark, j'en ai profité pour prendre plusieurs choses, étant donné que je n'y vais pas tous les... Enfin, comme je veux. Du coup, tout d'abord, j'ai pris en accessoire... Alors, j'ai repris un paquet de coton démaquillant. Je ne sais plus, je les ai déjà achetés, mais je ne sais plus si j'avais aimé ou pas. Donc j'en ai repris qu'un, du coup c'était 75 centimes, donc voilà, s'ils sont bien, bah, la prochaine fois je reprendrai plusieurs, mais là je les ai déjà achetés, c'est sûr, et je sais plus du tout si j'avais aimé ou pas. Mon chéri s'est repris des chaussettes basiques, des petites grises, donc ça c'était les 5 paires pour 3€ en 40-42, et il s'est pris un short style chino, un peu bleu ciel, bleu turquoise. Il est super joli. Donc il se présente comme ceci. Voilà, et il coûtait 13€. Il l'a pris en taille 42. Il est entre deux tailles. Il est entre le 40 et le 42. Mais chez Primark, étant donné qu'ils font pas de... Comme Caporal, par exemple, ils font du 41. Là du coup on a pris taille 42 et ça va nickel. Pris un lot tout simple de 10 collants, 5 collants noirs basiques, hein, comme ceci. Donc ça c'était 4€ les 5 paires. Donc voilà, ça sert toujours et comme je les craque facilement du coup, voilà. Ensuite j'ai repris une paire de collants comme ceci avec il y a un petit trait avec des finitions avec des petits cœurs. Il est super joli. Donc c'est pareil, je les ai pris en taille M tous les collants et une paire comme ceci, noire, basique. Non, je les ai pris en couleur chair celle-ci par contre. Voilà, en couleur chair, pareil, en taille M. Et ça c'était 3€ et celle-ci c'était 3,50€. J'ai pris, alors je prends comme ça vient, j'ai pris une petite bougie toute simple comme ceci. Elle était à 1€, c'est la... Smook, alors c'est marqué juste ici pour celles que ça intéresse, et là ici elle s'appelle comme ça, je pense que ça doit être le nom de la bougie, et elle sent super bon, ça sent, c'est fleuri, mais c'est très léger, là pour cette période printemps ça va être parfait. Ensuite je me suis pris un petit short de pyjama, et puis pour rester à la maison je le trouve canon. Donc je l'ai pris en taille M pour être vraiment bien dedans. Il était à 3€. Enfin vraiment pas cher. Et il est super super beau. Franchement, j'adore. Avec les. Là ça fait un espèce de petit volant. Je ne sais pas si vous allez voir.
Enfin, franchement, il est canon. Il est dans du bleu, rose et violet. Super beau. Ensuite, j'ai pris deux débardeurs blancs basiques en taille 38, en stretch. Enfin, des débardeurs blancs tout simples. Ils étaient à 1,80€, donc pas cher du tout. Et ça, des débardeurs blancs, ça sert toujours. Alors, les bretelles sont réglables. Et puis, tous les ans, j'en rachète au moins deux. Parce qu'à force, ça devient gris. C'est pas joli quand on met juste un débardeur avec un petit haut ou quoi. Donc voilà, là c'était 1,80€ et donc j'en ai pris deux. Ensuite j'ai pris une paire de lunettes de soleil comme ceci, toutes simples. Elles sont un petit peu style léopard sur les côtés. Enfin franchement elles sont super belles. Il y a une protection UV dessus et elles étaient à 1,50€, donc vraiment pas cher. Et elles se présentent comme ceci. Je trouve que ça va, bon ça fait un peu gros, mais moi pour trouver des lunettes qui me va vraiment c'est compliqué. Donc je trouve que celle-ci, ça allait. Ensuite, je me suis enfin trouvé un bandeau comme je voulais. Il est super beau. Il est ananas et fleuri. Enfin franchement, il est super beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est magnifique. Il coûtait 3€. Et franchement, ça, pour l'été, pour mettre dans les cheveux, je trouve ça canon. Donc voilà, donc ça c'était 3€. Ensuite, je me suis pris une petite paire de chaussures toutes simples comme ceci, avec un élastique juste là. Alors, d'habitude, je m'achète tous les ans une paire de ballerines que je mets quasiment jamais. Je mets juste en fin de soirée ou quand vraiment j'ai pas envie de mettre de chaussures ouvertes ou quoi, je mets des ballerines. J'aime bien avoir une paire de ballerines. Mais j'en ai marre à force des ballerines, à la fin ça n'a plus des pieds dedans, c'est horrible. Donc du coup j'ai voulu tester ce style de chaussures. Donc là elles sont noires et argentées, je les trouvais mignonnes. Donc je les ai pris en taille 39, c'est ma pointure habituelle. Et elles coûtaient 4€, donc autant dire que rien du tout. Et puis même avec un jean, une robe, un short, ça peut passer. Et puis pour aller au boulot cet été, ça sera nickel. Je pense que ça du coup je les mettrai un peu plus que des ballerines. Et ensuite, au niveau des vêtements, donc, je me suis pris une magnifique robe. Franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus. Elle est super belle. Elle est blanche, un peu cassée. C'est pas vraiment un blanc pétant, c'est un blanc un peu cassé avec des petites fleurs. Et donc, il y a une petite ceinture marron et elle se termine comme ceci. Vous avez plein de fleurs en bas. Elle est canon. Elle coûtait 14€ et je l'ai prise en taille 38. Et derrière, vous avez juste une petite ouverture goutte, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis après, bon, bah, elle est toute simple derrière. Elle est vraiment super belle. Alors, j'ai essayé de prendre que des vêtements que je puisse mettre aussi pour travailler. Parce que pour celles qui ne le savent pas, je travaille dans un cabinet d'assurance. Donc, je ne peux pas venir en mini-short, mini-jupe, comme on peut mettre pour aller à la plage, hein, bien évidemment. Du coup, celle-ci, pour aller travailler pour les week-ends et tout, franchement, elle est canon. Elle est super belle. Donc voilà, et puis au moins c'est vraiment des vêtements que je peux mettre tous les jours. Je ne suis pas obligée de me dire ah non, ça c'est des vêtements que je peux mettre que le week-end, que je ne peux pas mettre pour travailler. Ensuite, je me suis trouvé ce short qui est magnifique. Il est en espèce de matière lin. Il est gris et blanc avec un nœud ici pour refermer. Ici, c'est une fermeture en fait pour pouvoir l'enfiler. Pareil, je l'ai pris en taille 38 pour être vraiment bien dedans, mais je pense que le 36... devait m'aller, mais enfin voilà, moi j'aime bien ne pas être trop serré dans mes vêtements, etc. Donc je les prends en taille 38. Derrière, il est tout simple comme ceci. De toute façon, je vais vous mettre hein, les vêtements portés, mais franchement, il est canon, canon, canon. Et donc ça, il coûtait 11€ et c'est pareil, donc en taille 38. Ensuite, à l'entrée du magasin, j'avais flashé pour ce petit débardeur qui coûtait 3 fois rien. C'est le problème de toute façon avec Primark, c'est que ça coûte tellement peu cher que bah, du coup on a envie d'acheter tout le magasin. Donc il se présente comme ceci, il est super beau. Donc il est blanc avec des petites lignes bleues et des petites fleurs, des petites feuilles. Il est magnifique. Avec là derrière vous avez une... ça c'est derrière en fait. Au niveau du dos. Et donc celui-ci je l'ai pris en taille 36 et donc il m'a coûté 5€. Voilà, c'est un petit haut tout fluide et tout qui tient pas chaud l'été. C'est parfait. Et pour terminer, parce que je me suis quand même raisonnée, sinon j'aurais acheté le magasin. Mais bon, faut pas abuser non plus.
Donc le dernier vêtement que j'ai à vous présenter, c'est une tunique, une robe pull comme ceci. Donc elle est grise avec des manches assez larges juste ici. Et après, elle est toute simple. Vous avez juste l'effet des coutures dans le milieu. Je ne sais pas si vous allez voir juste ici et juste ici. Voilà, elle est toute simple. Et ça, elle m'a coûté 14 euros et je l'ai prise en taille 38. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir à la... que je peux mettre pour aller travailler et tout. Enfin, on est vraiment bien là-dedans quand il fait un peu frais et tout. C'est génial. Donc voilà, je me suis pris ça. Elle est en gris un peu chiné. Elle est super belle. Donc voilà. Et puis après, je me suis pris des sous-vêtements. Mais bon, je ne vais pas vous montrer les sous-vêtements que je me suis achetés là. Et puis de toute façon, ils sont partis au lavage. Donc voilà, j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je reviens au plus vite. Là, j'essaye de vous filmer comme aujourd'hui, j'ai un petit peu le temps. J'essaye de vous filmer quelques vidéos. Mais voilà, je ne vous oublie pas, je reviens. C'est juste que là, avec les examens, ce n'est pas évident. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !